Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Et le ministre des Sports, le maire de Marseille ou encore le président de la FIFA ont dénoncé ce lundi le caillassage du bus de l'Olympique Lyonnais et les blessures de son entraîneur Fabio Grosso en amont du match OM-OL qui devait se tenir hier. 9 personnes ont été interpellées, dont 2 pour avoir lancé des objets sur le bus. Selon la préfecture de police de Marseille, l'OL a annoncé son intention de déposer plainte. Comment a-t-on laissé le football devenir un lieu de concentration de comportements aussi violents? Les premiers caillassages de bus de l'équipe adverse ou des supporters adverses datent de plus de 10 ans à Marseille. Comment expliquer qu'on n'ait pas endigué ce fléau? Le football est-il finalement le reflet de la banalisation de la violence dans notre société? Le club de Marseille ne devrait pas être sanctionné. Est-ce que vous trouvez ça normal? Quelles sanctions attendez-vous? Appelez-nous pour réagir au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Abdelkrim Branine, qui est avec nous, journaliste et écrivain, auteur du roman Le Petit Sultan et de Chaos Football Club, coécrit avec Daniel Riolo, qui décrit les coulisses et le côté sombre du football français. Bonsoir, merci d'être avec nous. Philippe Bilger, la question que l'on pose, est-ce que finalement, en cas de débordement violent, à qui incombent les responsabilités? Alors, il est frappant, et pardon pour cette banalité sociologique, à une certaine époque, on avait évidemment des violences qui accompagnaient des manifestations sur des sujets graves. Aujourd'hui, et depuis plusieurs années, on constate qu'elles arrivent même à l'occasion de cérémonies ou de moments festifs. Le football, vous l'avez rappelé, Philippe, depuis 10 ans, connaît ce caillassage des bus. Alors, pour le reste, il est extrêmement difficile de déterminer les responsabilités. J'aurais tendance, non pas à exonérer Marseille de toutes les responsabilités, mais il est évident qu'un club ne peut pas mettre une vigilance derrière chaque imbécile ou chaque obtus qui vient caillasser un bus avec des conséquences qui auraient pu être graves. Et donc, à partir du moment où on a interpellé les 5, il y en avait d'autres probablement. Il y en a 9 maintenant. 9 qui caillassaient le bus avec des conséquences sur Grosso. Et son adjoint. Et son adjoint, absolument. Il va falloir que la justice fasse son travail, cette fois-ci, sans mansuétude. Et après, au fond, est-ce qu'on n'a pas la possibilité, dès qu'on a identifié des fauteurs de troubles, de leur interdire l'accès au stade de football? Nadi Saïdi, qui est une fan de foot d'ailleurs. Oui, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, on peut pas, le club n'est pas forcément responsable, mais je crois que les fédérations de football aussi ont un rôle à jouer. Elles ont un rôle à jouer. Il y a des clubs de supporters. Il faut légiférer. Il faut interdire l'accès au stade à certains supporters. C'est pas possible. Moi, j'ai connu le football. C'était la bonne ambiance. On était tous mélangés, quel que soit là d'où on venait socialement, là d'où on venait culturellement. C'était un moment festif où tout le monde était mélangé. C'était impensable. C'est d'autant plus choquant qu'on sort de la Coupe du Monde de rugby et jamais on a eu des moments comme ça. Non, c'est vrai. Jamais. Non, non, c'est vrai. C'est vrai. Donc il y a un vrai problème avec le football. Loïc Le Floch-Prigent. Oui, moi, je pense que je ne crois pas en la justice comme Philippe Bilger. En conséquence, je pense que. Je n'attends pas de vous que vous soyez objectif sur la justice. Absolument. Donc je préférerais revenir au club en disant le club doit pouvoir manager son réseau de supporters. Faire en sorte que grossièrement il puisse y avoir des enfants et des parents qui viennent au match sans difficulté. Je crois que c'est ça le sujet. Une fois qu'on a que c'est possible de venir en famille, à ce moment-là, ça reste quelque chose de festif. Dès que les familles ne peuvent plus venir, or c'est le cas dans un certain nombre de matchs, excusez-moi de vous dire, de football, à ce moment-là, le club est coupable. Abdelkrim Branine, on se souvient dans les années 70, le hooliganisme en Angleterre qui était hyper violent. On se rappelle de Leeds, les supporters qui avaient saccagé l'Euromarché de la Porte d'Auteuil quand ils avaient perdu une finale de Coupe des Champions, du Heysel dans les années 80, etc. La France, les duels entre Saint-Étienne et Nantes, il n'y avait jamais un problème. Aujourd'hui, la violence, elle est en France et plus du tout en Angleterre. Comment est-ce que vous expliquez ça? Bah,
Ça paraît banal, mais c'est évidemment toujours une question. Ça reflète l'état d'une société. Vous avez parlé de l'Angleterre à l'instant. L'Angleterre à l'époque de Thatcher et l'Angleterre post-Thatcher, en effet, a donné lieu à des scènes de hooliganisme exceptionnel. On a vu à travers l'Europe, vous avez répété le drame du Hesel. Et même lorsqu'il y a eu ce fiasco au Stade de France, Darmanin avait mis en cause les supporters de Liverpool. On avait tous envie de lui dire qu'il n'avait pas vu les vidéos des années 70 ou 80 avec les vrais incidents, des vrais hooligans, pour mettre ça sur le dos des supporters de Liverpool. Là, dans le cas présent, ça fait déjà une dizaine d'années que ça dure en France, qu'il n'y a pas de prise de conscience. Là, j'ai vu que la LFP a communiqué. Alors, ils se réveillent, la LFP, ils disent « on va mettre en place une nouvelle convention pour fixer les modalités d'organisation des rencontres et de périmètre des responsabilités de chacun ». Merci. Il a fallu attendre que l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais soit assez sérieusement blessé pour qu'il se penche sur le sujet. Mais est-ce que finalement les spectateurs ne peuvent pas s'auto-réguler, s'auto-gérer, c'est-à-dire que dès qu'il y a un débordement, à huis clos, jusqu'au moment où chacun doit prendre ses responsabilités, il y a forcément des formations chez les supporters qui vont réguler les autres. Alors là, il faut préciser quand même, c'est important, c'est que cet incident assez grave a eu lieu à 500 mètres du stade, ça n'a pas eu lieu aux abords du stade ou à l'intérieur du stade, donc... La question, c'est de savoir déjà ce que c'était des supporters, parce que c'est vrai que c'est un mot qui englobe c'est large. Hein. Est-ce que c'était des vrais supporters? Maintenant, on peut pas sortir de cette affaire sans que quelqu'un soit, j'ai envie de dire, coupable ou au moins responsable. On a la LFP, on a le ministère de l'Intérieur et on a le club qui recevait l'Olympique de Marseille. Tous ont des responsabilités, mais ils sont tous en train de se dédouaner. La LFP dit « nous, on n'a rien à voir avec ça ». Darmanin, on l'a vu. Il met la faute sur l'OM et l'OM, de manière implicite, dit « nous, ça n'a rien à voir avec nous, ça s'est passé à 500 mètres du stade ». Mais on ne peut pas sortir d'une affaire aussi grave sans avoir des responsables. C'est un peu le problème du pays, c'est-à-dire que l'idée qu'il n'y a jamais de responsable, et c'est l'idée. Surtout, quelques sujets que ce soit, on peut y revenir. Je pense que là, c'est un match de football qui a lieu à Marseille, le club de Marseille est responsable, point. Pour moi, c'est comme ça. Et si jamais, à Guingamp, puisque je suis un grand supporter d'En Avant Guingamp, ça se passait, je dirais la même chose à Guingamp. Philippe Bilger. À votre avis, c'est le Brahmi, monsieur Brahmi. Abdelkrim Brahmi. À votre avis, est-ce que la grande difficulté de ces violences de plus en plus graves dans le football ne viennent pas du fait qu'au fond, elles constituent un paroxysme d'une violence qui existe partout? Je veux dire, j'ai entendu hier un reportage sur les mariages qui deviennent d'insupportables moments à cause de la voyoucratie de certains, et parfois même des mariés, ce qui augure mal du bonheur conjugal, mais en réalité, est-ce que la grande difficulté, c'est que on n'est pas confronté à une sorte de fatalité sociale qui montre que la violence augmente partout? On sent bien qu'il y a une forme d'un côté exutoire au niveau de cette violence, puisque, encore une fois, je le dis, depuis une dizaine d'années, les incidents sérieux se sont multipliés. Après, tous les clubs doivent faire le ménage, entre guillemets, au niveau de leurs propres supporters. On se souvient du plan Lebrou. Il y avait un problème sérieux de hooliganisme à Paris. Le plan Lebrou y a mis fin. En tout cas, ça a quand même très bien fonctionné. Là, il est temps pour l'Olympique de Marseille et pour les autres clubs de Ligue 1 de se pencher sur le sujet. Mais je précise quand même, on parle quand même... Enfin, c'était pas un match spécialement à haut risque, certes. C'était entre les Olympiques. Oui. Lyon et Lanterne Rouge et Marseille, ils se battent dans le ventre mou du championnat. Donc, qu'est-ce que ça va être lorsqu'on va avoir une grande affiche sérieuse avec des risques où, il faut le rappeler, dans quelques mois, on est censé organiser les Jeux Olympiques à Paris. Absolument. Avec ironie, je dirais à Philippe Bilger, bien sûr, la justice n'y est pour rien. Allez-y. Je ne demanderai jamais aux condamnés leur avis sur la justice. 0-826-300-300 avec Christophe qui est avec nous, qui nous appelle de Paris. Paris. Bonsoir Christophe. Bonsoir Christophe. Oui, bonsoir. Bonsoir les Vevois, Cécile et Philippe, etc. Bonjour à tous. Bonsoir. Etc. C'est vous, les gars. Monsieur Frigent, etc. Non, voilà. Tout le monde, on vous écoute. Je vais juste faire un parallèle. On vient de vivre une Coupe du Monde de rugby absolument extraordinaire jusqu'au quart de finale, on va dire. Oui. Mais en tout cas, sans incident. Sans incident majeur.
J'ai eu un gamin qui, quelques années auparavant, a fait du rugby pendant 4 ans. J'ai comparé ce qui se passait sur des terrains de football juste à côté et ce qui se passe sur un terrain de rugby. Et je vois toujours la même chose. Sur un terrain de rugby, vous avez des enfants qui jouent, etc. et des supporters parents qui sont sérieux, qui sont corrects. Vous allez sur le terrain d'à côté, c'est un terrain de football, vous voyez des gamins qui se font engueuler par leurs parents, qui ne respectent aucune décision de l'arbitre, etc. etc. Donc, je pense qu'entre le football et le rugby, il y a un monde, il y a un fossé, il y a immense. D'accord. Pourtant, ce sont des gamins qui viennent du même endroit. Donc je ne comprends pas pourquoi. Je pense que le football, depuis très longtemps, draine tout ce qui est racaille, quelles que soient les origines, quelles que soient les religions. Je m'en fous, ils peuvent être de n'importe où, c'est pas le problème. C'est on draine des racailles, au final, qui sont prêts à taper, qui sont prêts presque à tuer, et on voit le résultat que ça peut donner sur un entraîneur de football que je ne connais pas. J'ai un profond respect pour lui. Je ne sais pas qui il est, je ne sais pas pourquoi, mais c'est d'abord à la base un jeu. Je disais restez avec nous parce que ça sonne beaucoup. 0826, merci Christophe, restez là. Hein, 0826 300 300, Joanne est avec nous de Marseille. Notre vraie voix du jour. Clairement l'incident d'hier, c'est plus des supporters à ce niveau là, c'est des voyous. Mais effectivement, je suis complètement en phase avec ce que disait Abdelkarim tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est le reflet d'une certaine violence de notre société, et ce que disait aussi Philippe Bizet. Et ce qui est triste, c'est que là, au lieu qu'il y ait un des acteurs qui prenne les choses en main, qui dit maintenant on va poser les règles, on va s'arrêter là, tout le monde se renvoie la balle. Abdelkrim Branini, alors il y a un mot de Jackie Bordage sur notre compte Twitter qui est plutôt intéressant. Ne plus aller jouer à Marseille serait une bonne coalition des clubs de Ligue 1. Marseille est une ville dangereuse, le droit de retrait peut s'imposer. Est-ce que ça veut dire que les clubs de Ligue 1 peuvent refuser à un moment donné d'aller là-bas pour des raisons de sécurité? Surtout Abdelkrim, quand on voit le nombre de fois où le bus du PSG notamment a été caillassé à Marseille. C'est pas arrivé une seule fois, hein, mais plusieurs fois. Non, il est clair qu'il y a un problème, je crois que c'est mon co-auteur Daniel Riolo qui l'a dit aujourd'hui, au niveau entre le trajet entre l'hôtel et le stade, il y a un côté risque de guet-apens quand même qu'on peut pas écarter comme ça quoi. Il existe quand même des chemins différents pour arriver au stade, on peut baliser ça, on peut faire ça beaucoup mieux là. On fait prendre des risques quand même au bus. On a fait prendre des risques au bus de l'Olympique Lyonnais. On l'a fait à plusieurs reprises concernant le. Il y a un côté quand même au niveau de Marseille, pression, où on vous met la pression. On fait passer ce bus dans certains endroits et parfois ça donne lieu à des violences. Et il faut revoir ça. Il faut revoir ça. Les clubs de Ligue 1. Non, mais ça veut dire que vous êtes en train de nous dire qu'il faut qu'on change de trajet pour éviter de se faire caillasser. C'est lunaire, en fait. C'est le monde à l'envers. En fait, ça devrait même pas exister. Il faut que le club prenne la responsabilité du trajet. Ouais. C'est tout. Bah, oui. Ça revient à ça. Le club accueillant prend la responsabilité du trajet. Par conséquent, il regarde. Le sujet fait beaucoup réagir. Philippe nous appelle du Val d'Oise. Pardon. Bonsoir, Philippe. Oui, bonsoir à tous. Oui, effectivement, c'est un sujet assez passionnant, mais je pense qu'il y a un détail qu'il faut pas oublier. Loïc Présent disait tout à l'heure que c'est à l'Olympique de Marseille d'administrer, de manager les groupes de supporters. Et les déplacements. Et là est le problème, parce que, comme vous le savez, depuis le début de l'été, M. McCourt, qui est le propriétaire de l'Olympique de Marseille, oui, cherche à vendre Marseille. Il s'était rapproché d'un fonds d'investissement saoudien et il faut pas se mentir. Aujourd'hui, ce qui pose problème à Marseille, c'est le milieu marseillais qui voit d'un très mauvais œil une vente probable de l'Olympique de Marseille. Donc je pense que derrière le caillassage hier, qui est pour moi quelque chose de politique, organisé, orchestré, parfaitement en tout cas orchestré, je pense qu'il y a un message derrière au probable investisseur. Pour dissuader un éventuel acquéreur, c'est ça, Philippe? Ben oui, parce que regardez M. Zeroual, qu'on n'entend pas du tout. Monsieur Zeroual, il semblerait que sur les interpellés d'hier. Rappelez-nous qui est Monsieur Zeroual, parce que là, je vois pas qui c'est. Ah si, c'était un. Je pense que la personne que vous avez invitée ce soir, qui a écrit le livre Abdelkrim avec Daniel Riolo, pourra mieux vous en parler que moi. Oui. Mais Zeroual est une personne qui a été salariée du club de l'Olympique de Marseille. C'est une personne qui est en charge de l'animation des groupes de supporters. Et très récemment, lorsqu'il y a eu cette crise au mois d'octobre avec le départ de Monsieur Longoria,
le protagoniste qui était en première ligne, c'était M. Zeroual. Ouais. Restez avec nous, on va lui poser la question à Abdelkrim Branine. Alors, ça n'excuse pas hein, ce qui a été fait, mais est-ce que ça peut être une possibilité de se dire que finalement, c'est contre la vente de ce club? Alors, je ne sais pas si c'est un message, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que, en effet, la personne a parlé de M. Zeroual, qui est le leader des South Winners, donc le groupe le plus important de supporters à Marseille. Il a beaucoup de poids au niveau de l'institution à Marseille, de pression sur le président de Marseille, sur Longoria, sur toute l'institution marseillaise. Et là, on sait que à Marseille, il ne peut pas se passer quelque chose au niveau des supporters sans que ce monsieur Rachid Zeroual ne le sache pas. Maintenant, est-ce que c'est un message? Franchement, seule une enquête le dira. Abdelkrim Branine, une question courte pour une réponse courte pour finir. On est en pleine négo des droits télé de la Ligue 1, sachant que Fabio Grosso a quand même été champion du monde avec l'Italie en 2006. Est-ce que ça risque pas d'être un gros coup dur pour les finances du foot français ? Bien sûr, c'était déjà très difficile puisque la somme recherchée par Monsieur Labrune, ça n'a pas abouti. On a perdu les plus grandes stars du championnat, enfin certaines des plus grandes stars, Neymar, Messi et d'autres récemment. Là, avec cette agression, c'est assez terrible. Et franchement, il y a un gros point d'interrogation sur l'avenir financier du football français, en effet. Merci beaucoup. Abdelkrim Branine. Merci à vous d'avoir été avec nous, journaliste et écrivain, auteur du roman Le Petit Sultan et le Chaos Football Club, écrit avec Daniel Riolo.